Et puis j'espérerai le portail après avoir tué Zolemba. Je vais d'abord essayer d'avoir Zolemba. Et si j'ai un portail, tant mieux. Si j'ai pas de portail, bon bah ça voudra dire qu'il faudra faire une run rapide. 30 minutes. Alors que là, je vais prendre mon temps du coup. En espérant avoir de la chance. Ouais, on va voir. Pourquoi pas, hein, après tout. C'est pas impossible. Il y a 20% de chance, donc c'est pas impossible. Ça marche. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça marche pas, bon bah tant pis, on va ailleurs. De toute façon, c'est le seul moyen de faire les deux en même temps. Sinon, faut que je fasse l'un ou l'autre. Je peux pas faire Zolemb après avoir fait Delirium et je peux pas. Par contre, je peux possiblement faire Delirium après avoir fait Zolemb. Donc, autant viser Zolemb. Paraît quand même logique. Ouais, ça commence bien. Commence même très bien. Un empereur, ça c'est bien. Ça veut dire un skip de la Dark Room, ce qui m'arrange énormément. Déjà de l'avance. Alors on n'y est pas encore à la Dark Room, hein, mais. Ça veut quand même dire un skip de la Dark Room. Ça va au bout. Et vu comme la Dark Room c'est la merde. De photos, oui, bah écoute, oui, c'est cool. On commence vraiment très très bien cette run. Hein. Un petit choup d'Aoub. Dommage. Oh, je vais pas changer des anges. Non, non. Non, non, non. Faire des anges, ce sera trop merdique. Faire les anges, ça sera trop merdique. Je vais pas faire les Angel Room et j'ai pas envie de faire les Angel Room. Ça m'arrange pas. A priori. Et les Sacrifice Room, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, bon, on va peut-être voir de l'Angel Room alors. Hein.
Ça va que les autres objets sont bien parce que putain merde, Betrayal dans le daily ça fait chier. Hein. J'ai pas envie de dépenser 3 cœurs bleus pour prendre cette merde. Hein. Dommage. Je préfère prendre l'empereur. Hein. Tellement de dangers potentiels dans la Darkroom. Ah, le jeu veut vraiment que je prenne Betrayal, hein, mais moi je veux vraiment pas. Hein. J'ai déjà pris, je crois. Donc du coup, je suis tranquille à ce niveau-là. Bonne nuit, Arkay. On ira là après, peut-être. Bonne nuit, Tova 4. Ça. Pas envie de piffer les pilules. Pas avec le Blue Baby. Même si c'est des pilules cool. Je prends tous les cœurs bleus que je peux. Hein. Ah putain. J'aurais dû passer autrement. Ah la Super Secret elle est où?
J'aurais dû l'avoir. Alors. Dommage. Dommage, dommage. Le nail, mais ouais, mon gars, c'est parfait. Ah voilà, j'ai un générateur de points de vie, c'est cool. Ça, c'est bien. Un générateur de points de vie, qui est plutôt un très bon truc. Super cool. Alors, on est bien là. Alors, on est très bien. Pour l'instant, on est sur un Blue Baby plutôt assez parfait dans le genre. Il y a les dégâts. Il y a les dégâts qui sont pas mal. Il y a la génération de points de vie. Y a rien à redire. Y a du bon tir raid déjà. Il y a du très bon dégâts une fois que Deadeye est maxé. Évidemment, faut maxer le Deadeye, mais quand même. Oui, c'est vrai que le Nail, là, on le voit beaucoup, hein. Clairement, ouais, c'est étonnant, mais je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre, hein, c'est... J'aime pas ça. J'aime pas du tout cet objet. Alors. Ah. 896. 897. Oh, j'aime pas du tout l'objet, je le trouve pourri. Encore 102 pièces à mettre dans cette saloperie de machine qui bloque tous les... trop vite. Thank you.
Ouais, bon. On va faire comme dit, hein. S'il y a 50% de chance d'avoir un des... avoir délirium. Oh merde. Putain, mais le sacré dart qui sort tellement de nulle part. C'est énorme. Ah non. Comme ça, par contre. Bon, on va aller voir le Temoun quand même. Et le. Non, le shop, c'est bon. Ça a bloqué. Alors... Take me to the magic of the moment. Ah, le Dead Eye, c'est bien. Pas à dire. Dead Eye, c'est pas mal. Hein. Bon. J'ai appris, je crois. Je colle la Godhead. C'est ouf. N'importe quoi. Peut bien le prendre, ça change rien. Alors...
Yeah, it's amazing. Parce que quand on voit ça, mine de rien, qu'on se dit que ça vaut le coup de rester jusqu'au bout du stream. Bon, déjà, c'était assez indécent avant, mais. Une araignée de temps en temps, pourquoi pas. Oh yeah. Ouais, mais, bizarrement placée. Vrai qu'il a une tête assez bizarre, le perso, ouais. Mais on lui demande pas d'avoir une bonne tête. Hein. Ah, alors. Prendre ça parce que je l'ai pas encore touché. Voilà, comme ça la Bible satanique s'est validée. Je préfère garder le nail à la Bible satanique. Même si la Bible satanique fait des dégâts avec les cœurs noirs, tout ça. Je préfère garder le nail. Ça fait des damage up, hein, le nail, hein, mine de rien. Ouh, ça c'est bien. Très très bien ça. Jamais ça passe à travers lui. Ça va faire encore plus mal. Très très bien. Faut que j'aille voir Satan. Hop. Bien. Deux chances. Ça me donne deux chances d'avoir un vortex. Pour aller voir Delirium. Du coup, un après le coffre de The Lamb et un après avoir tué Méga Satan. Nul.
Le halo, c'est cool. Ah, transcendance, mais je l'avais pas eu encore, je crois. Cette run est de mieux en mieux, hein. En termes de complétion de trucs, en plus, elle est bien. Que Sacré Lard, je l'avais pas eu. Transcendance, ça me dit rien. La Bible satanique, je l'avais pas eu. Ah, c'est cool, hein. C'est rigolo. Ça va bien toi? J'ai une run qui se passe excessivement bien. En Blue Baby. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, j'ai pas fait Lost à 100% encore. C'est quoi mon trinket? C'est Nose Goblin, ça fait des... Ça fait des larmes qui parfois sont des crottes de nez. Et c'est pas mal, je crois. Très bien, j'ai une... Avec un build comme ça, t'aurais fait Delirium direct. Ouais, c'est pas bête. C'est pas faux. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu gourmand là. Un peu gourmand, mais bon. C'est peut-être un peu gourmand, effectivement, de vouloir le faire après The Lamb. Mais bah bon. Tant pis, hein, désormais c'est trop tard. Hein. Ouais, c'est ça. Il est bien ce trinket. Oh, je sais pas. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Se fait troller par les secrets. Toujours emmerdant.
Ah putain, c'est violent. Quand je vois comme Cage il vient de se faire des pop, ouais, c'est violent. Un trinket de la nouvelle extension à éviter. Moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est le. Il y a le. Locust of Wrath, je crois. Il me fait un peu peur. C'est pas si mal en soi, hein, mais je le trouve trop dangereux. Il fait à chaque nouvelle salle, il fait une mouche explosive qui explose du coup sur les ennemis. Et du coup, je le trouve un peu dangereux ce trinket. Non, ça ira. Mais il y a des trinkets qui sont vraiment géniaux hein, dans cette extension. Les trinkets à base de charge des objets, je les trouve vraiment très très intéressants. Y en a deux comme ça, il y a celui quand les objets sont chargés et celui quand les objets sont déchargés. Qui donne des stats up. Je les trouve vraiment très intéressants ces deux trinkets. Bon, je me suis encore fait baiser par les secrets. Pas nouveau, hein. Ah, The Emperor, c'est pour quand? Bah, c'est pour maintenant. J'avais oublié. Oh, mais j'étais bien, moi, j'étais en balade. J'ai pris 3 dégâts quand même sur The Lamb, c'est pas très sympa. Hein. Il y a un Void. Même pas besoin d'aller voir Méga Satan. Bon, je dois être à... je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que Delirium. Ah, je sais pas si les crottes de nez vont se rester collées à Delirium par contre. Vu qu'il TP pas mal. Hein. S'il pouvait les garder pendant ses TP, ça serait bien. Ça le rongerait et ça ferait du bien pour le buter. Ah, la touche nulle. Salut, hein.
Merci. Speedball, c'est cool. Dinner, c'est bien. Normalement, je suis fou, lui, là. Le plus emmerdant surtout là c'est que j'ai pas le... Putain ça fait mal. Le plus emmerdant là c'est vraiment que j'ai pas le Polaroid en fait. C'est ça qui est un peu emmerdant. Passant. C'est pratique. Putain, merde. J'étais pas full vie. Je croyais que j'étais full vie du coup. J'étais content de voir un cœur bleu au sol. Je prends trop de touches par contre. Hein. C'est pas possible de prendre autant de touches. Ah oh, merde! En trop de touches! Pas content. Bon, j'ai laissé plein de batteries normalement. Où il est, ça m'énerve. On va par là de toute façon. Ça sera pas par là de toute façon. Ah, ça recharge, c'est vrai, c'est une clé qui recharge. Sans doute. C'est du délire. C'est délirium. Un peu tous les étages en un. Second. Et hop. En fait, c'est un étage avec plein de pièces différentes d'un peu tous les étages. Il y a plein de boss différents. Faut trouver la bonne salle avec le bon boss. C'est un peu le merdier. Faut trouver le bon boss. Putain, enfoiré!
Ah, la ligne droite, quoi. Ah, la ligne droite de l'infini, quoi. C'est gentil, hein. Ah, quand même. C'est toujours pas lui. Prayer card, s'en fout. Ouais, délirium. Oh, foiré. Ah, il tire vite. Pas trop ça, il me troll là, il me fait chier, il est en train de me troller à l'infini, putain. Il est en train de me troller à l'infini là. C'est très pénible. Beaucoup de dégâts déjà. Beaucoup trop de dégâts. Tu veux pas arrêter de me sauter dessus un peu un jour? Saloperie. C'est n'importe quoi. Je me suis fait défoncer. Je suis dégoûté. J'avais un bon build là. Mais il m'a trollé à l'infini. Je suis dégoûté. J'aurais eu un Polaroid, ça aurait été moins chiant. Avec le Polaroid, ça passait. Hein. Mais avec le négatif, non quoi. Ah, j'avais tellement un bon build. Mais ça me saoule. C'est pas grave, normalement ça a compté quand même au moins The Lamb. Ouais. Ah, c'est chiant. J'aurais pu m'éviter un problème avec Delirium fini.